Bienvenue à tous les participants dans cette conférence. Je suis Dr. Fatma Zeribi, Université Qasdi Mirbah d'Ouargla. Le sujet de mon participation dans cette conférence est Soldier Spink Out Method Synthesis of Amendoped Titanium Dioxide in Films. Le plan de travail. Premièrement, introduction générale. Deuxièmement, généralité sur l'oxyde de titane. Troisièmement, la méthode Sol-Gel et technique de caractérisation. Quatrièmement, résultats et discussions. Et cinquièmement, conclusion générale. D'abord, l'introduction générale. Les oxydes transparents et conducteurs sont des matériaux remarquables dans de nombreux domaines. L'existence de leurs propriétés conductivité électrique et transparence dans le visible fait un rôle plus important pour l'application dans le domaine de photovoltaïque. L'objectif de ce travail est la déposition du couche mince d'oxyde de titane avec différentes concentrations de manganèse par la méthode Sol-Gel Spin Coating. Ce choix de ce matériau a été basé sur les bonnes propriétés chimiques et physiques dans plusieurs applications comme les cellules solaires, les captures de gaz, etc. Nous avons étudié les propriétés du couche mince d'oxyde de titane dopé par manganèse sur les propriétés du film d'oxyde de titane. Si pour cela, nous avons caractérisé leurs propriétés structurales, optiques et électriques. L'oxyde de titane. L'oxyde de titane est un matériau chimiquement stable, non toxique, non volatile, ininflammable et biocompatible que l'on retrouve dans de nombreuses applications car il possède plusieurs propriétés intéressantes, ses propriétés optiques et ainsi que son non-toxicité permettant l'oxyde de titane d'être employé par exemple comme l'écran anti-ultraviolet visible dans nos crèmes solaires. Dans cette, les deux figures qui représentent l'oxyde de titane. Donc, les propriétés structurelles. L'oxyde de titane existe sous plusieurs formes, dont les trois principales sont l'anatase, le prokit et le rutile. La technique de dépôt, la méthode Sol-Gel, les techniques les plus utilisées de dépôt des couches minces de deux catégories sont le procédé physique PVD et procédé chimique CVD. Parmi ces méthodes, on choisit la méthode Sol-Gel. Le Sol-Gel, on a existé deux méthodes, Deep Coating et Spin Coating. Le Spin Coating qui est utilisé dans notre travail. La méthode de caractérisation. Diffraction des rayons X pour l'étude structurelle, DRX. La spectroscopie ultraviolet visible pour l'étude des propriétés optiques. Et la technique de quatre points pour l'étude des propriétés électriques. Donc, le résultat. Cette figure qui représente l'évolution du spectre de diffraction du rayon X du couche mince d'oxyde de titane dopé par différentes concentrations de manganèse. Qui observe cette figure les diagrammes de diffraction d'IRX ont montré que les échantillons étaient polycristallins et présentent des différentes densités et de largeur de pic. Lorsque, à mesure de la concentration de manganèse augmente, l'intensité de pic 1,01 diminue et les largeurs de semi-pic augmentent bêta, indiquant une cristallinité non améliorée des films minces d'oxyde de titane avec une épaisseur de croissance. Cela peut indiquer que la croissance cristalline de l'oxyde de titane légèrement affecté par le dopage EMN parce que de la différence du rayon ionique de l'atome haute titanium et l'atome de dopant M manganèse.
Cette figure qui représentait la variation de la taille de gras en fonction du dopage en manganèse pour les couches minces d'oxyde de titane. Qui observe cette figure? La taille de gras de l'oxyde de titane dopé et dopé a été calculée à l'aide de la formule de Bayes-Scherer. Nous pouvons voir que la taille de gras diminue par les films dopé avec l'augmentation de la concentration de dopants, ou la taille du cristallin de l'oxyde de titane pur U2 21,27 nanomètres, alors que les nanoparticules de l'oxyde de titane. De plus, nous avons observé que la valeur bêta augmente avec l'augmentation de la concentration de manganèse, indiquant une diminution de la taille de cristallin en raison de la présence de teneurs en manganèse dans la structure de l'oxyde de titane. Ensuite, cette figure qui représente la variation de la transmittance en fonction de la longueur d'onde des couches minces d'oxyde de titane Mn avec différents taux de dopage en manganèse. Nous pouvons observer cette figure deux régions. La première région, une région caractérisée par une forte absorption, et la deuxième région, la région de grande transmittance. Et enfin, la résistivité électrique est cette figure qui représente la variation de la résistivité électrique en fonction du dopage en manganèse pour les couches minces, l'oxyde de titane. Conclusion générale. On a ici à élaborer des couches minces, l'oxyde de titane sur différents nombres de couches par la technique Sol-Gel spin coating. Les films préparés ont été analysés par différentes techniques de caractérisation pour étudier leurs propriétés structurelles, optiques et électriques. L'étude structurelle du film par DRX montre que toutes les couches minces d'oxyde de titane obtenu se cristallin dans la structure tétragonale de phase anastase avec une orientation préférentielle selon le plan 1-0-1 et la taille du gras diminue avec l'augmentation du nombre de couches. L'étude optique par ultraviolet visible a montré que les films ont une transmittance maximale environnement de 90%. Les mesures électriques ont indiqué que la résistivité du couche est faible même après préparer des couches minces d'oxyde de titane. Nos respectives sont d'améliorer les propriétés électriques des couches minces de l'oxyde de titane pour les rendre applicables dans les domaines photovoltaïques et catalytiques en utilisant par exemple de trottodopage, éco-dopage et recuit à des températures élevées. Et merci pour votre attention. خليتينا دوك البهلول كملت